contre-pied par Weber. Une passe déviée par Plekanec habilement vers Pacioretty. Pacioretty fait une chute. Voilà Plekanec qui reprend. Gionta le tire sur le ponton et le but! Eh bien, ces trois-là méritent ce qui leur arrive. Ils ont été de plus en plus intenses en attaque en troisième période. Ouais, depuis le début de la troisième, c'est le meilleur trio sur la glace. Et on a vu le travail de Pacioretty. En soi, il attire deux joueurs vers lui. Il transporte la rondelle vers le centre, ça crée une ouverture. Plekanec va rejoindre Gionta. La rondelle va toucher le poteau à la droite du jeune gardien. Et là, il va avoir de la circulation devant le filet. Je ne sais pas si Plekanec va toucher à cette rondelle ou si Kelly qui l'a placé derrière la mer. Mais c'est 2-1 pour le Canadien. Et c'est une bonne troisième période si on compare ça avec la première et la deuxième. Oui. En tout cas, pas mal plus convaincante pour Plekanec, Gionta et Pacioretty. Je pense que Pacioretty a joué un rôle important.